Je m'appelle Antoine et je suis en classe de CAP 1 an en menuisier installateur. Alors moi c'est Maëlys, je suis en CAP 1 an peinture. Je m'appelle Léo et je suis en CAP 1 an de menuiserie installateur. Moi c'est Florian, je suis en CAP 1 an MIT, monteur installateur thermique. Je m'appelle Servan et je suis en CAP menuiserie installateur. Alors trois mots, alors, je dirais cosmopolite, dépaysant et divertissant. L'organisation très très simple. En premier, Kamel est venu dans notre CFA pour présenter le voyage, le stage, pour dire combien il y avait de place, dire ce qui allait se passer là-bas. Il fallait tout simplement s'inscrire et ensuite c'était une sélection sur dossier au niveau du comportement, des notes. Bah, c'était surtout le rythme qui avait rien à voir, c'est beaucoup plus tranquille et quand t'as le même, enfin c'est pas le même rendement en fait en Espagne. Quand tu vas au rythme français, ils sont surpris et ils disent tranquillo et toute la journée c'est ça. Du coup c'est marrant. Alors Barcelone c'était super cool, c'est super grand, il y a beaucoup de personnes accueillantes et il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à visiter et... On voit carrément, Erasmus, c'était une super expérience, c'était enrichissant au niveau des rencontres, de la culture là-bas. Non, si c'était à refaire, je le referais. Et puis si ça aurait été... Parce qu'on a fait 2 semaines, si ça avait été plus long, je pense qu'on aurait refait peut-être plus longtemps. Partir avec des apprenants de d'autres CFA m'a permis tout simplement de rencontrer du monde, se sociabiliser, et aussi de parler de notre métier, de parler de nos CFA. Comme nous ne sommes pas dans le même, et ben on voit comment ça se passe dans d'autres CFA. Et puis même se faire des amis, parce que vivre pendant 2 semaines avec des personnes qu'on ne connaît pas, ça peut être compliqué si on ne s'entend pas bien.